Allez, va boire. Regardez ce qu'on est obligé de faire, allez, vas-y. Viens, je t'ouvre la porte. Tu vas boire, allez, vas-y. C'est bon. Il y a rien à boire. Hein ? Il y a rien à boire. En tout cas, j'ai bien aimé la technique que t'as faite. T'es allé prendre le tournoi. Au moins là, ça t'a fait faire un peu de sport. T'as vu ce qu'il a fait ou pas ? Tu m'as dit quoi ? Il allait prendre le tournoi, Zam. Allez là. Et il s'est souvenu qu'il allait se tenir un peu le cœur. Il s'est mis dans le champ exprès. Là, contre le mur. Non, rigole. Lâche. C'est bon. Rigole, bâtard. C'est bon. Rentre dans le champ. Toi aussi. Tu me prends pour un con depuis longtemps. Ouais. Il y a Simon derrière, il me dit. Dès que je reprends le sport, j'arrête de fumer. On s'est mis au sport, tu fumes toujours. On va faire un détartrage blanchiment. Bah, dès que je fais le détartrage blanchiment, j'arrête de fumer. Tu fumes encore. Chaque fois, tu te fous de ma gueule. Ouais, si le mec il envoie les cigarettes électroniques, j'arrête de fumer. Le mec il envoie les cigarettes électroniques, tu fumes encore. C'est quand tu vas vraiment arrêter de fumer? Là, t'es beau-père. Tu vas fumer devant la petite? C'est quand même chelou que c'est toi qui es soufflé alors que toi, t'as juste été tenu. Je trouve. Les gars, c'est un bon exemple. Ne fumez pas. Sinon, de un, votre père, eh ben, il va séquestrer les enfants. De deux, vous allez ressembler. Et de trois, il n'y a pas de cardio. Moi, je vous explique. Je vais lancer. Non, tu retournes là-bas et tu... ta mère, t'attends la fin de live. T'as voulu être là, tu restes là. C'est trop tard. Vas-y. Mais ton frère est là, il va. Et t'as rien installé encore? Ben non, parce que je suis allé mettre l'essence. Et depuis tout à l'heure, t'es en train de jouer à FIFA. Alors ouais, que tu dois installer un truc depuis tout à l'heure. Non, je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. C'est pas qu'un Hakimi, un boost. Je t'ai rien demandé, fils de. Pourquoi t'es violent comme ça? Pourquoi t'es violent? Ça m'énerve. Je m'énerve. Je suis pas de club, moi, j'en recule. C'est bon, pardon, voilà. Bon, voilà, pardon. Les frères, j'ai rien demandé, rien. Ah. Attends. Ah! La croûte de merde! Excuse. T'es au milieu! T'es au milieu! C'est comme lui avec sa grosse tête, toujours au milieu! Ah, va activer le live, oh! Mais il y a le temps encore, il a une heure! C'est pas grave, il installe tout. Il n'y a rien qui est prêt. Parce qu'il y a After Kick ce soir. T'es toujours essoufflé? Et ouais, les poumons pleins de nicotine, pleins de crasse. Non, les gars, je suis en colère. Je suis en colère pour trop de choses. Les gars. Trop de choses. Toujours à se plaindre. On se plaint, la nani, et si, et ça. La nani, mais vous faites rien pour arranger ça. Alors, j'ai entendu cardio. Je t'explique. Mario, non. Stop. Matos, le matos. Vous faites enculer. Viens, parmi vous. On me casse les pas les couilles. La cam, fils de. Putain, la cam. Voilà. Non, les gars, je vous mens pas. Ces derniers jours, il y a trop de tension. Vous voyez que ça va exploser. Entre hier, le jugement, tout ce qui se passe ces dernières semaines. Tout me met en colère. Prenez-lui ces putains de cartouches. C'est vrai. C'est bon, Mario, c'est bon. Je pense qu'il a assez goûté. Non. C'est vrai, t'as reçu une droite? Non, il a voulu me toucher, il n'a pas réussi. Putain. Attends, je vais regarder le clip. Je vais décortiquer le clip. On vient de m'envoyer le clip. Alors,
Cardio. Je t'explique. Mario, on n'a plus de cardio. Attends, ça bug. À la fin, tu t'es mangé un coup de rein. Qui? C'est un rein jump. C'est un rein jumpé. Attends. Et ben alors? Cardio. Je t'explique. Mario. Les dégâts que tu viens de recevoir, eh ben dis-toi que c'est rien comparé aux dégâts que ça cause, la cigarette à l'intérieur de ton corps. À l'intérieur de ton corps, il y a plein de petits Mario qui enculent tous tes organes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Tes organes, tes poumons et tout, ils sont tout en train d'enculer à l'intérieur. Voilà, et aujourd'hui, ben, si t'as plus de Chico, ben, c'est à cause de ça. Si aujourd'hui, oui, t'es essoufflé, c'est à cause de ça. Si tous tes malheurs sont... Oh, la petite queue. C'est à cause de la clope. On peut allumer la clé, mes frères. Ouais. La clope. C'est quoi que t'arrêtes? Déjà, je diminue. Non, tu... De quoi? Ça fait 10 ans que tu diminues. Arrête de me prendre pour un con. Depuis que t'arrives au local, tu me dis je diminue, t'as jamais diminué. C'est bon, ça marche plus de me prendre pour un con. Ouais, c'est ça. Arrête de me prendre pour un con. C'est quand que t'arrêtes. Basta, définitif. Basta. De quoi, tu crois que... Ouais, tu crois que quoi? Vas-y, c'est bien. C'est quand? T'as déjà une cigarette électronique avec de la nicotine dedans. Tu veux quoi de plus? C'est quand que t'arrêtes la clope? Il faut se mettre des limites, les mecs. Ou alors, une ou deux clopes par jour, pas plus. Une au réveil, une avant de dormir. Et toi, c'est quand que t'arrêtes? Pas pour l'instant. Bah, nique ta mère. Pourtant, pour Nina, t'étais prêt à arrêter de suite. Comme quoi, tu préfères arrêter la clope pour Nina que pour ta santé. T'es un putain de suceur de boule. Comme quoi que... Ce genre de déclic, ça veut l'avoir. C'est pas en parlant toute la journée à des fakes et en restant chez eux qu'ils vont avoir ce déclic. Frère, je t'ai juste fait ça. Il y a un livre pour arrêter la clope. Mais de quel livre tu parles? C'est 6 fois 20, ils y arrivent pas. C'est de quel livre tu parles? Allô? Ouais. Pourquoi il y a deux personnes? J'aimerais poser une question de Koudou. Vas-y, pose ta question, vas-y, commence. J'aimerais savoir s'il était au courant que Madison avait de la barbe. Hein? De quoi? Madison a de la barbe. Madison, elle a de la barbe. Il t'a dit pff, n'importe quoi. Réponds-lui, il est là, frère. Mais il pense ce qu'il veut. Il dit il croit ce qu'il veut. Il croit ce qu'il veut. C'est bon? Yop. Ouais, ça va bien. Les frères, hier, vous nous avez régalé. Hein. Yop, yop. Merci, merci, frérot. Non, c'était pour dire JP. Tu vois, là. La grosse galère. Tu dis, ah ouais, je vis, je sais pas quoi. Non, que tu subis, frère. Premier degré, faut que tu te reprennes en main. Tu captes ou pas ce que je veux dire? Mais t'as vraiment pris. Attends, parce qu'il veut se mettre le doigt dans la bouche, mais il sait plus où elle est. Bah si. Ok. C'est pas le doigt dans la bouche, vraiment... Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Écoute-le. Gros, genre, là, premier degré, la clope que tu subis, frère, les meufs que tu subis, la santé que tu subis, genre, on t'aime, hein, mais si tu veux finir l'année, frère, faut que tu te prennes en main. Bah comme d'hab, c'est ça de parler avec un fils de pute. Bah vas-y, non mais c'est pas grave, hein, je le vous laisse problème, les gars. Le problème c'est que, en face de toi, je vais te dire en radio, ouais t'as raison, puis machin chouette, que je vais pas le faire. Ça sert à rien, vaut mieux rien dire que... En fait le truc c'est qu'ils établissent même pas des règles de vie, c'est-à-dire que... Par exemple, tu vois, il a un appartement qui lui a été mis clé en main, tout neuf, tout propre. Les murs, tout refait, ouais. La peinture, propre, etc.
Tu sais, un homme qui a des règles de vie, tu sais, il se dit, ok, je suis un fumeur, mais au moins, je fume pas dans l'appartement. Ou au moins, je fume pas assis sur mon canapé. Tu sais, t'as des niveaux de règles de vie, t'as d'hygiène et de règles de vie. C'est-à-dire, normalement, tu fumes pas dans un appartement. Ok, bon, allez, si tu fumes dans un appartement, tu fumes sur le bureau et t'as un cendrier propre, tu vois. À la limite, tu sais, ça descend crescendo en termes de règles de vie et d'hygiène. Après, tu t'en bats les couilles, tu cendres un peu partout sur le bureau, mais tu fumes toujours vers le bureau. Après, t'as « je fume sur le canapé au réveil, je fais tomber un peu de cendre sur le canapé. Je suis aux toilettes en train de faire caca, je fume dans la cuisine. » Tu vois, c'est des étapes de règles de vie. Et c'est passé parce que lui, je sais pas comment il est chez lui, mais j'imagine que c'est la même. Ils ont aucune règle de vie. La machine à laver, elle est dans la chambre. Le lavabo, il est dans le salon. C'est comme dans sa tête, il y a tout et un peu partout. Donc, je sais même pas quoi dire. Donc, vous voyez, c'est des étapes de règles de vie qui ne sont pas respectées. C'est-à-dire que t'as des degrés. Si encore ils étaient respectueux, allez, ils fument dehors, tu vois, ils ont des... non, là, dès qu'ils ont l'occasion de fumer, ils fument. Dès qu'ils sont dans une voiture, ils fument. En live, ils fument. Dès qu'ils sont à côté de vous, ils fument. Ils s'en battent les couilles. C'est du jamais vu. Donc, voilà. Tout simplement. Des principes de vie. Voilà. Tu vois ? Tu dors. Tu vois, par exemple, je vais vous poser une question à tous. Vous allez me répondre logiquement. Vous avez un appartement. C'est un très beau deux pièces. Bien éclairé, bien propre, magnifique, un appartement non fumeur. Bon, déjà que vous rentrez, que vous fumez à l'intérieur, juste à part intoxiquer l'endroit où vous vivez, ça sert à rien. Mais quand on a une chambre, vous avez une chambre à coucher avec un lit, parce qu'il y a un lit dedans, et le lit, c'est un bon lit avec un gros matelas, deux places, etc. Tu vois de quoi il parle ? Vous achetez des matelas tranquillement, vous avez des coussins, vous dormez dans le lit, genre, tout simplement, vous dormez sur le lit, vous avez une chambre. Ben non, vous préférez dormir sur le canapé comme un SDF. Depuis, ça fait combien de temps que t'as l'appartement ? Je sais même pas. Ça fait longtemps maintenant. T'as dormi combien de fois dans la chambre ? Trois fois. Canapé, bien évidemment, pas de drap sur le canapé. Hein. Après, c'est pas un canapé à 300 euros, c'est un canapé à 1000 euros. Chaussures, bien évidemment, ça, il se lave de soi. Des fois, il s'endort avec les chaussures sur le canapé. Chaussettes, tout habillé. C'est-à-dire que vous rentrez chez lui en pleine nuit ou à 14h quand il dort. Pleine nuit ou 14h, ça dépend. Il est allongé sur vêtements, lunettes, chaussures ou chaussettes, ça dépend comment il s'est endormi. Le mec, on dirait il est mort ou il vient juste de se poser, il est allongé. Tu toques au volet, il ouvre, il est 15h et tu le déranges. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il est tout habillé et tout. C'est la première fois qu'il voit la journée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Cache, il allume une clope et il s'assoit sur le canapé, il fume une clope. Cendrier, avec de la cendre partout, tout autour. Frérot, c'est un appartement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça, c'est la première étape. C'est se respecter soi-même. Première étape. Voilà. C'est pour ça que t'as pas de meuf. Donc déjà, il faut savoir entretenir son appartement, tout simplement. Moi, pour moi, ça part de là. Toi, tu sais entretenir un appartement ? Si demain, t'as un appartement, tu sais l'entretenir ? Ouais, un peu. Un peu ? Quoi ? Je suis venu chez toi. Non, mais en plus, c'est pas comme si... Attendez, les gars. Là, attention, c'est pas comme si... il travaille toute la journée, il part le matin, il a pas le temps de faire le lit, il part un peu en vitesse, il rentre, il est fatigué, il prend une douche, oui, mais il va se reposer, tu vois, c'est le bordel. Bon, dès que je suis en repos, je vais nettoyer l'appartement. Non, c'est pas ça, c'est toute la journée, ils branlent rien, c'est-à-dire toute la journée, c'est ils ont tout leur temps, c'est-à-dire ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a une salle de sport en face, tu ouvres les volets, elle est en face. Et en plus, devinez quoi ? La salle de sport, 7 sur 7, 24 heures sur 24, elle est passée. Tu peux aller t'entraîner à 5h du matin, à 4h du matin, à minuit, à n'importe quelle heure. Elle est ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il ouvre le volet, elle est en face.
Mais non, bien évidemment, quel intérêt de faire du sport quand on peut poser son cul sur une chaise et fumer des clopes? Quel intérêt? Il n'y en a aucun. Il est chef d'entreprise, les papiers, exactement. Moi, ce que je propose, c'est que, en fait, je comprends bien, il a pris l'appartement pour le canapé. Je reprends l'appartement et je lui donne le canapé. On met le canapé devant le canapé. Ouais. Le canapé. On met le canapé là. On met le canapé. Donc, merci pour les infos. Mais frérot, tout le monde le sait, ça, on met 1 milliard de snaps. Bref, heureusement, c'est l'appartement. Attendons que sinon, il serait dans la merde. Ah, mais même. Tu vois, c'est des petits détails qui font que. Et ça finit, t'as raison. Les seules fois où il a voulu changer, c'est quand il rencontrait une meuf. Donc, voilà, tout simplement. Et ça, c'est pas normal, ça, Jean-Paul Malop. Ok? L'état de l'appartement, en vrai, c'est comment? Bah, je suis pas retourné depuis longtemps. L'appartement. Mais non, mais les gars, ça a duré 3 jours. Au bout du 4e jour. Ah, mais vous avez jamais vu la vidéo? La vidéo où il a pas le droit de fumer. Donc, interdiction de fumer dans l'appartement. J'arrive en cachette par la fenêtre. Parce que j'habite à côté. Donc, par le balcon. Je grimpe le balcon, j'arrive. Il est allongé sur le canapé en train de fumer une clope. Et je le prends en flag en train de fumer une clope. Et il me dit, mais non, c'est la première que je fume. Ici. Ouais, moi en fait, je voulais parler de Koudou. Ouais. En fait, moi je trouve que Koudou, c'est un menteur. Pourquoi? Pourquoi je suis un menteur? Parce que Koudou, je trouve qu'il aime pas Madison. Pourquoi? Mais il veut pas le dire. Parce que dès qu'on parle de elle, il s'énerve pas. Il y a un truc qui m'agace chez toi, c'est que t'as la voix à Loris. T'as quel âge? Moi j'ai 16. Ouais. Tu t'appelles Loris? Non. 16 ans. Tu t'y connais un peu en amour à 16 ans? Ouais, de fou. D'accord. Donc du coup pour toi il aime pas. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu sais que tu. Ça, en fait là il est monté pour parler avec toi. Avec toi? Tu deviens vraiment. Et ça y est frère, je deviens ce geek. En fait, dès qu'on parle de Madison, j'ai l'impression qu'il est gêné. Il a parlé de tout. N'importe quoi, je suis pas gêné. Ok, bon, rapproche-toi et exprime-toi. Allez. Débat, montre-leur que tu tiens à Madison. Un peu qu'il est en train de te parler, nous. Je suis pas gêné, j'y parle. Ça fait depuis une semaine qu'on se parle. Qu'on n'arrête pas de se parler. Là, si je m'en foutrais de Madison, j'aurais pas demandé de me laisser une chance de me rattraper. Bah, c'est pas faux. Continue, c'est bien parti. Et j'essaie de voir cette semaine quand est-ce qu'elle peut venir sur Nice pour que je prenne un. Pour que je la baise. Non, vas-y, continue. Que je prenne un Airbnb pour faire connaissance avec elle. Et voilà. Ok, bon, bah je me suis trompé alors. LOL. Est-ce que je peux avoir des dédicaces ou pas, s'il vous plaît? Vas-y, rapide. Pour Galaxy Big Bang, il y a Nonopop. Galaxy Big Bang, grosse dédicace à toi. Galaxy Big Bang, dédicace à toi. Vas-y. Merci les mecs, vas-y, bonne soirée. Ce blast de merde, frère. Vas-y, Galaxy Big Bang, dédicace à toi. Est-ce que je peux te poser une question? Non. Est-ce que, moi je veux que tu me réponds honnêtement, t'as vu, là on parle entre hommes, truc. Est-ce que, dans ta tête là, t'as envie de la fourrer? Quand elle vient à. Ouais, mais non, Non. Ça traverse même pas ton esprit pour toi. Là, c'est juste pour faire connaissance. Ah bah, tu sais ce qu'on fait? Regarde, c'est le. Ah non, tu sais ce qu'on fait? Attends, t'as pas envie de la baiser. D'accord, c'est le dernier de. La dernière chose que tu veux faire. Toi, tu vas apprendre à la connaître. Laisse-moi, je suis en train de discuter. Oui ou non? On est d'accord sur ce point-là. Oui. Que t'es pas là que pour la baise. Eh bah, tu sais quoi? Tu lui prends le Airbnb et tu ne dors pas avec elle. Tu passes la journée avec elle et la soirée, elle la passe toute seule. Eh bah, c'est ce que. Parce... Tu mets. Regardez ce qu'on va faire. Tu comptes lui payer son billet d'avion. Ouais. C'est ta meuf et tout. Tu vas lui payer son billet d'avion. Le Airbnb, vous faites comme vous voulez. Si c'est elle ou toi, je sais pas. Ça vous débrouillez. Vous prenez le Airbnb. T'as interdiction de mettre le pied dans le Airbnb. Vous restez dehors. Mmh. Dehors. Dehors. Et il y a que elle qui rentre dans l'Airbnb. À chaque fois, tu la déposes devant le Airbnb. Et elle rentre. Merci, je French Monkey. Ça te va? Ouais. C'est voilà. Bon pour toi. C'est son appartement, tu n'as pas le droit d'aller dedans tant que vous n'êtes pas marié. Et ça finit. Pourquoi tu rigoles? Il va vérifier. Oui, je vais vérifier. Tu sais pourquoi je vais vérifier? Parce que je serai dans l'appartement. Voilà, tu seras. Maintenant, tu seras un halal. Tant que tu n'es pas marié avec elle, tu n'as pas. Ouais, je me marie pas. Tu n'as pas le droit de la consommer.
Tu veux pas te marier, toi? Voilà. Tant que c'est pas sincère, tu ne consommes pas. Voilà. C'est l'amour avant le sexe. Le cœur avant la bite. Cette femme, elle est maman. Elle a une petite fille. Et elle a besoin d'amour. Et elle a besoin d'un homme sur qui compter. Voilà. Et tu vas faire l'homme. Tu vas lui prendre un appartement ici pour qu'elle passe des vacances ici avec toi. Mais le soir, elle dort. Est-ce qu'elle vient avec son enfant? J'en sais rien. Eh ben, elle peut venir avec son enfant vu que tu comptes pas dormir avec elle. Tu vas lui offrir. Tu es là pour lui montrer ce que tu es capable de lui donner et non pas ce que tu es capable de lui mettre. Donc, gamberge. Arrête! Non, alors ça par contre, j'accepte pas. Voilà, oui! Arrête. Voilà, ça j'accepte pas. Arrête de casser les. Ah, j'accepte pas. Non, parce que tu t'étais endormi. À un moment donné, j'ai entendu ronfler. Ouais, on pensait que tu étais endormi. Donc, qu'on soit bien clair, cette femme, elle a besoin d'amour. Mais je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Ok, ben là, il y a les règles. Donc maintenant. Ouais, mais les règles, j'ai pas besoin. Si. Je vais tout cadrer. C'est je ne vais rien bien. Laisser faire. C'est pour le bien de la famille. Vous savez quoi, les pervers comme toi qui veulent rentrer en soutien dans l'appartement. Les fenêtres barillées, quadrillées. Ouais, t'as pas le droit de rentrer. Mais Nicole, mais Madison, je veux faire l'amour, Madison. Tu vas rester dehors, t'inquiète, je serai là à la sécu. Je vais m'occuper, moi. Non. Et toi, sors de chez moi. Et je trouve que... Est-ce que ton envie de la faire venir, il a diminué du coup, quoi? Là, tu sais pas quand je viens de niquer tous ses plans. Mais n'importe où, vas-y. Il avait acheté un stock de capotes et de lubrifiant. Ouais, c'est ça. On a mis son plan. Tu sais ce que tu fais? L'Airbnb, si je peux me permettre, prends un Airbnb avec un garage. Juste ça. Parce que moi, je vais mettre mon setup dans le garage. Comme ça, au moins, la sécurité, elle est dans le garage. Et si à un moment, tu oses venir mettre les pieds là où tu n'as pas le droit de mettre les pieds, espèce de petit pervers. Eh ben, tu sais quoi? Je t'en mets une. Eh ben, tu sais quoi? J'ai une idée. T'as le droit de faire l'amour avec elle, mais que dans un seul endroit, et cet endroit, c'est l'appartement de JP. Et sur le canapé. Hors de question. Alors, je t'explique, c'est le seul endroit où t'as le droit d'aller avec elle tête à tête. Alors, si c'est un bon pote, il te laissera son appartement, et c'est le seul endroit où vous serez tous les deux, rien que tous les deux. Voilà. Pourquoi tu veux pas lui prêter l'appartement? Quand c'était Akira, tu as prêté l'appartement. Quand c'était Nina, t'as prêté l'appartement. Quand c'était tous les. Quand c'était j'étais des meufs. Mais à la base, tu devais être dedans. C'est qui voulait que le Chain It Together il se termine au plus vite pour pouvoir rejoindre Akira? À la base. Bon. C'était toi. Oui. Oui. Non, voilà. Donc t'aurais dormi avec Akira. Pas dans le même lit. Pas dans le même lit, ça c'est sûr. Parce qu'elle, elle veut pas. Encore une fois, tu parles comme si c'est toi qui voulais pas. Non, surtout pas dans le même lit, parce que lui, il dort que sur le canapé. Non, mais c'est pas ça, c'est que lui, il avait trop envie de dormir dans le même lit, frère. Il nous fait... Enfin, ça, j'en peux plus, moi. Tu te rends compte qu'à un moment de ta vie, t'as dit que Nina, elle était moche comparée à Kira? Comme quoi, non, on peut se tromper. T'as fait le suceur, parce que sur ce moment-là, tu pensais que tu pouvais avoir Akira et non pas Nina. T'as vu la brèche. Parce que t'es un putain de profiteur, tu t'accroches à une branche. T'as vu la brèche. Une fois que la branche, elle se fissure un tout petit peu, tu te raccroches à l'ancienne branche. Et tu reviens comme ça en arrière, et tu avances, et tu vas en arrière, et tu avances. Aucune évolution. Y'a un mec qui a dit, c'est ce qu'ils font dans tes films. Allô? Ils prêtent l'appartement aux meufs. Allô? Ouais, allô? Oui. Tu te rappelles quand il a choisi Akira au lieu de moi? J'étais là, moi, ça? Je ne sais plus. Non, t'es pas là. Non, je crois pas. Je serais souvenu. C'était pour dire que... Dégourdir? JP, il avait dit sur live d'hier que... Si Koudou, il quittait pas le local, c'était lui qui le quittait. Encore des paroles en l'air, les gars. Allez... Putain, j'ai mal au tibia. Je crois que je vais laver. Allô? Panique pas. Panique pas. Oh! Panique. Oh! Attends, incroyable. Mon short. Je remets mon short, frère. Arrête. Allô? Abdel? Jamais. Elle est humide, sa race. Allô? Je me suis la main, frère. Bah, si t'as des mouchoirs, frère. Ça grésille, ouais. T'as des mouchoirs? Non. Arrête! C'est sa bave. Arrête de casser les couilles, je t'ai mis un peu de sa bave ici. Ah non, par contre ça c'est dégueulasse, je vais vomir. Là, pour de vrai? Non, je vais vomir, j'y peux. Voilà, c'est bon, j'ai vraiment. Ah, ils ont fait un bisou! Ah, le mariage avant l'heure! Le mariage avant l'heure! Le mariage avant l'heure!
le bisou, le bisou, le bisou. Ça fait quoi de Raïos, ton collègue? Il y a eu échange de salive. Aïe, il y a eu échange de salive. Regarde-le, mais t'es con ou quoi? J'ai pris la salive chez toi, je l'ai mis là-bas, il s'est sué la bouche. T'es un tel trou de balle. Non mais comme sa salive, elle a touché sa salive là-bas, ça a fait genre... tout à l'heure, il est comme ça, là. Ouais, oui, non, mais pour lui, non, c'est comme... Oh, je l'ai fait un bisou. Ouais, il est continu. T'as compris ou pas? Que ça n'a pas touché ta bouche. Oui ou non? Ouais. Ah, bon. Bon, lui, il répond pas. Gladys. C'est quoi, Gladys? C'est pas dans un film? Gladys. Je sais pas. Gladys. Allô? Monsieur Dutilleul. Tu connais Monsieur Dutilleul? Oui. Allô? Oui. T'es une femme. Yo! Bah oui. Non. Ouais, y'a de la chatte! Alors, soit t'es une femme, soit t'es un enfant de 10 ans. J'ai 23 ans. Yes! Enchanté, Gladys. On met la cam, on montre un sein. Oh, Gladys. Pardon. Gladys! Ouais. Tu fais combien de kilos, Gladys? Et on voit fesses. Je crois que je fais 67, un truc comme ça. 67, 1m combien? Pour 1m combien, Gladys? 60. Un beau bébé. Ça te plaît? C'est qui? Non, c'est qui? T'entends pas au niveau de la voix? Non, c'est qui? Bah, mon avis. Bah, c'est qui? Pas! Elle a changé son prénom. C'est Madison? Oui. Madison? C'est Madison? Oui. Mais c'est Madison, oui ou non? Moi? Oui. Bah non. Mais non, ça n'a rien à voir. Bon. Mais... Je me fais les Gladys en fait. Ah mais voilà, c'est quoi ce couple de 2008? Tu crois qu'elle a voulu te tromper, genre te faire un petit prank pour voir? Ah voilà, là, la scène elle est dangereuse. Il est venu, ouais, m'a dit, mais tu sais pas c'est qui? Je dis mais non. Vas-y. Bah c'est elle a changé. Non. Ok, vas-y Gladys, du coup dis-nous tout. Je voulais parler à Koudou. Bah il est là. Ah, JP, il est dégoûté dès qu'elle a dit qu'on oh, tu as le seum, hein? Oh, tu as le seum, hein? Ta grosse. Suce l'épée, suce l'épée. Oh, tu as le seum, hein? Ta grosse. Oh, tu as le seum? Ton coude. Oh, mais pourquoi Koudou? Ton coude. Je vais parler à Koudou. Vas-y, bah, Koudou. Ouais, vas-y, calme-toi. Ah, vas-y, Koudou, tu me fais mal. Hein? Attendez, ça bug. Vas-y. Pourquoi hier il était inactif sur le live? Peut-être parce qu'on l'a plaqué par terre et qu'on l'a tabassé et qu'on était en train de l'afficher un peu partout et qu'on était en train de niquer son couple, je sais pas. C'est peut-être pour ça, genre. Peut-être, ouais. Mais quand on lui pose des questions, faut répondre. Après, t'as pas totalement tort parce qu'aujourd'hui, il est... Oh, il est... Arrête, tu te réveilles. La tête de Wam, les gars, il y a une luciole qui est passée sur la caméra. Vous l'avez pas vu? La flèche là-haut. Je sais pas, mais la tête de Wam, il y a une luciole, elle est passée. Elle était, elle éclairait, elle faisait du jaune orange. Elle passe comme ça. Pour de vrai ou c'est une blague? Elle est passée sous le nez de Koudou comme ça. Une luciole. Tu l'as aspirée? Eh, vous l'avez vu? Vous l'avez vu ou pas? Koudou. Oui. Est-ce que tu peux te réveiller s'il te plaît parce que c'est vraiment chiant. Ouais, mais Gladys, t'es venu pourquoi? Parce que lui, ce qui l'intéresse, voilà, c'est la bite. Mais n'importe quoi, arrête. Oh, Gladys. Mais il va aller tester Madison là. Il te plaît, toi, Koudou, Madison? Gladys? Non, vraiment pas. JP, il te plaît, toi, Gladys? J'avoue, il a glow up, mais non, toujours pas. Ah, c'est déjà positif. Merci pour le glow up. Il lui manque juste des dents en vrai. En cours de fabrication. Merci pour le glow-up. Quoi? T'es excellent, JP. Ah ouais? Ouais, t'es excellent. Mais Koudou, par contre, il y a du taf. Ouais. Je te jure, t'es excellent comme mec. Merci pour le glow-up. Ah ouais? Bah quoi? De rien. Grâce à qui? C'est vrai. Non, mais. Grâce à moi.
Non mais genre tu étais dis-lui merci pour le compliment. Genre c'est gentil. Compliment. Merci, bah, merci pour toi, le merci pour le blog. Ah merci la sainte pute. Glorieux JP. Il essaie de se rattraper parce que là, il essaie de faire croire qu'en fait il m'a remercié moi pour le glow up alors que en vrai il voulait remercier la meuf. Bien rattrapé. Non, c'est toi. Ouais, celle-là, elle est pas. Tu te rattrapes. Non, c'est toi. En gros, en disant ça, il a dit merci pour glow up. Je pense que tu captes ça, t'as très sonique. Non, c'est toi. Je m'en bats les couilles. Ouais, glow up, il te remercie. Ouais, glow up, il te remercie. Remercie glow up. Et Koudou. J'ai pas entendu Koudou encore. Mais je comprends pas, Koudou, il est quoi, Koudou quoi, il est... T'es amoureuse de Koudou? Mais non, mais là aujourd'hui, je sais pas, il est tout raplapla là, qu'est-ce qu'il a? Mais vas-y, envoie une photo de ton cul, tu vois, s'il est raplapla. Non, mais en fait, reste comme ça, Koudou, c'est pas grave. Ah, mais c'était pas la luciole, c'était ton doigt. Ah. Wesh, la tête de moi dans la caméra, j'ai cru que c'était une luciole au début. Et Safine, il te plaît, Safine, tant qu'à faire. J'ai toutes mes dents cette fois-ci. Ah, c'est un arabe. Ça va. Comment ça se dit? Elle a dit ça va. Ah, j'ai entendu, c'est un arabe. Ça va. Il te plaît, Safine, ou pas? On va dire que c'est le plus beau du local. Et suce-le, suce-le. Frère, je te connais, moi, Il a parlé. Ah non mais attends, mais elle avait l'air un peu en surpoids. Elle avait l'air en surpoids. C'est pas grave. Mais je suis pas du tout en surpoids. Non mais de toute façon moi ça me dérange pas. Tu vas m'envoyer des photos, c'était gros, je te supprime, genre normal. Oh Gladys, t'es belle ou t'es pas belle? Dis la vérité, Gladys, sur une échelle de 1 à 10, tu te mets combien en beauté? 8. On peut vérifier. Est-ce que tu peux lui envoyer une photo sur Instagram? Eh ben, demande à Youb, je viens de lui envoyer un message. Elle est laide à mort. Alors je t'explique, si elle envoie un message à Youb, c'est qu'elle est laide à mort. Non, c'est pourquoi? Tu peux que être laide à mort. Parce qu'il répond tout le temps. Il y a eu 1 milliard de meufs, ils sont passés par Youb pour m'avoir moi. Ah oui, c'est ça? Est-ce que tu essayes de faire? Rien à voir. C'est parce que Ayoub il répond tout le temps, alors que vous répondez jamais. Non mais parce que Ayoub il est dans le même cas que deux. Ok, frère, écoute ma théorie. Une meuf qui envoie un message à Ayoub, elle est forcément laide ou désespérée. Bah je vais demander à Ayoub. Ouais. Ayoub. Les gars. Oh, t'habites où, Gladys? Déjà c'est quoi ce nom de merde? Gladiateur. De merde. Il est horrible. C'est horrible. J'habite à Paris. Très bien, je vais te péter à la gueule. Gladys, c'est quoi? C'est quelle origine, Gladys? Viens, brother, tu peux me montrer la tête de Gladys? Je sais pas, je crois que c'est Gladys, anglais. Gladys, ça t'a envoyé un message. Et toi, c'est quoi ton... Même lui, il est étonné. Mais mon Insta, il commence par un J. Ton Insta, il commence par un J. Fais voir. Attends. GMK, je crois. Okay. Hein? Glandis. Ça? Ouais, bah vas-y. Attention, il reçoit tellement pas de messages que tu vas le trouver tout de suite. Bah on l'a trouvé. Non, t'es pas intéressant, ferme ta gueule. Qui t'a parlé? Pourquoi ma mère? Nous attendons d'âme. Pourquoi il parle des mères? Pourquoi tu lui dis, t'es culotté toi, tu parles des mères? Ah, parle bien, Koudou. Parle bien, Koudou. Je peux parler de ta mère. Koudou, t'es pas actif. Je peux parler de ta mère. Non, c'est vrai. Ah, Koudou, la tête de homme. Nous attendons d'âme. Si tu veux, on le démonte à deux, on prend le démonte. De quoi? Bah que t'envoies la photo. Sur le matin, on le démonte. Ah, tu veux une photo? Mais ma photo de profil, elle suffit pas, genre? Mais quelle photo de profil? De 1, t'es de dos. De 2, t'es de dos. De 3, le téléphone est sur ta tête. De 4, montre. T'as des plus gros bras que moi, ouais. Montre-moi. Ben, je suis musclé. Ouais, musclé, ouais. Attends. Gladys. Ouais. Est-ce qu'il est beau mon prénom? Mais depuis j'ai pas entendu Koudou hein. De quoi? Okay. Ouais, mais parle. On peut avoir une photo, mon vieux. Glandis. Attends, je cherche. T'as eu déjà une meuf qui cherche une photo? Mais non, mais c'est parce que là j'étais enceinte et du coup bah j'ai que des photos où je suis enceinte. Qui sera le beau-père, j'ai envie de dire. Hein? Non. Si je peux me permettre, il est où le père? Bah, il est là. Ah, mais t'es en couple? Mais oui, je suis en couple. C'était une crème.
crasseuse. Vous me posez un tas de questions là. C'est bon, voilà. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a, y a un goal qu'on peut pas marquer des buts. Hein, tu crois? Pour de vrai. Le téléphone. Oh. Dites-moi que vous avez vu ce qu'il a pris coup de dans la tête. T'as vu? Est-ce que je t'ai pas fait exprès? Il a pris un putain de coup d'épée dans le crâne. Non, t'es en couple. Ok, et il est à côté de toi là, ton mec? Non. C'est par toi. Et, ah, ok. Et sans indiscrétion, t'as accouché ou pas? Oui. Dis ce que tu penses. Et tu vis avec? Elle est en couple. Non, mais dis ce que tu penses. Elle est en couple. Wallah. Avec ça? Pas! Attends, parce qu'on avait un truc, t'as pas encore vu. Donne tes. Elle est en couple. Tiens. Ah. Tu veux voir sa tête? Non. Vas-y. Moi je veux voir. C'est ton style, non? Gladys! Tu te rappelles pas de Gladys, mais Gladys, tu me dis quelque chose. JP, tu veux voir, JP? Je suis jamais monté. T'aimes bien? Je sais que t'aimes bien. Ouais, moi je vais chercher à boire et à manger. Ok, vas-y, vas-y. Qui a soif? Vas-y. Il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que. Soif s'il te plaît, mon frère. Ouais. Est-ce que tu peux aller niquer tes morts juste là-bas? Ouais, attends, vas-y, parce qu'il y a le frérot, il a faim. Prends de l'eau. Il y a un truc que je comprends pas. De l'eau? Ouais, de l'eau. JP? Que de l'eau? Tant qu'à faire. Que des lettres? O. O. Que de l'eau? O. Et toi, tu veux quoi, moi? Tu me prends de la biceptine? Prends ce que tu veux. De la biceptine? Ouais. Prenez un peu de caca. Prends ce que tu veux. Pour son traitement dentaire. Bah, un peu de marmelade et de mayonnaise. Je vous appelle dès que je suis là-bas. Et tu vas où exactement? Un peu de gruyère. À la boulangerie d'avant. Laquelle? Pourquoi tu vas pas à la boulangerie le matin? Pourquoi tu veux boycotter comme ça? Parce qu'il est un peu presque minuit. Frère. Et alors? C'est 24h sur 24. Vas-y, je vous laisse. Vas-y, Gladys, c'est un peu. Attends, je l'aimais, mais c'est bon. Hein. Vas-y, à plus tard. Super gentil, Gladys, en tout cas. Ne le prends pas mal, on rigole avec toi. Ouais. Vas-y. Ouais, si voulez, je vais. Mais il y a quand même un truc que je comprends pas, Gladys. Il a quel. Quoi? Il a quel âge, ton gosse? Que Wayne, il a dit que t'étais. Est-ce que t'es intéressé par moi? Il a 4 mois. Tu peux quand même le beau du local. 4 mois. Alors que t'es en couple et que t'as. Allez, Gladys. A plus. Vas-y. Salut, Glad. Ciao. Oui, c'est vrai, elle a dit qu'elle était intéressée par toi alors qu'elle a un enfant et elle a un mec. Putain, ouais, je comprends plus rien, mais les femmes, c'est un truc de fou, les femmes. JP, what the fuck, it's crazy. Vous m'avez frappé quand j'ai dit. Bah, attention, parce que ta gueule. Ouais, elle est là, pourquoi tu manques de respect à Isaron? Fatima, elle est là. Mais c'est une mère, elle est maman. On va dire à ta mère, c'est une crasseuse. Si elle a fait un truc de crasseuse, moi je dis, maman, t'es une crasseuse. Bah, franchement, elle a fait des. Quoi? Vas-y, pars. Non, ça va, je rigole, en plus, elle est pas là, les frères. T'as une clé de voiture. Non. Je vous en supplie. Non, à pied. Ouais, bah ouais. À pied, une bonne fois. C'est quoi, t'es à Schmidt, tu m'envoies récupérer des trucs à pied? À pied. JP, tu me donnes ta voiture s'il te plaît, mon frère? Non. Comment non? Non. Non. Pourquoi non? Sinon, ne te laisse pas faire. Frère, c'est une prostituée sa voiture? Oui. Une prostituée ma voiture. C'est une prostituée. Je vais te chercher à boire et t'es pas content? C'est une prostituée. Démerdez. Ne bouge pas, JP, je te jure, regarde. Bah, t'as quand tu vas faire. La tête, bouge pas, la tête, t'as une crotte de nez. Déjà, bouge pas! Desséché. Attends, bouge pas. Rentre dans la tête, t'as une crotte de nez. Ah oui. Attends. Vas-y. Bouge pas. Bouge pas, mon frère. La tête d'homme, t'as une petite crotte de nez. Arrête. S'il te plaît, je te jure, je suis chirurgien. C'est bon. Fais attention. Dis-lui, fais vite. Les pneus? Fais vite. Donne tes ordres. Dis-lui, tu veux. Fais vite. Dis-lui, ramène-moi à boire. Ramène-moi à boire. Ramène-toi. Spaw! Bien joué, mec. Non, t'as pas l'impression de rien foutre sur les lives, Kudou? Ah, mais je pense que c'est la déception d'hier. Mais je sais pas, ça fait 3 semaines, il faut rien. Vous lui payez tout, il est là, il sert à rien. Ah, à quoi il sert dans la team? Il a son argent, il se paye les trucs maintenant, il a son argent. Ok, mais non. C'est un. Alors, bah, regarde, quand même, tu peux pas dire qu'il fout rien parce que regarde. Hop. Ouais. Hop. Regarde, tu peux pas dire qu'il fout rien. Tu peux pas dire qu'il fout rien. T'as peur? Avant, t'aimais bien ça. Mais c'est un truc de malade, c'est devenu une couille molle au début avec JP et tout. Il insultait tout, il fait plus rien. S'il te plaît. Mais je mets une autre musique, y'a aucun souci, frérot. Jackie le gros baiser. À part faire le pervers sur Nice, c'est tout ce qu'il fait. C'est bon, attends, je l'ai mis. Vas-y. Libérez-nous.
Doucement. Ah. Ouais, ils sont déçus. C'est la première fois qu'ils sont déçus, la coup dans ça. Nul à chier, coup doux. Ah ouais, ça pue ouais, la merde, ouais, franchement. Finito la coup danse, ouais, ouais. Pire coup danse, ouais, ouais. Ouais, ouais. Nul le coteau, ouais, là, ils sont très déçus, la coup danse. On dirait qu'il est forcé. Ouais, vous avez vu, genre, il y a plus d'envie dans sa coup danse. Ouais. Ouais, on dirait il est forcé. Genre, même répondre, il veut pas. C'est dingue. Par contre, quand on était au concept de Fares et qu'il y avait des meufs, toutes les deux secondes, elle lui demandait de faire des coups de danse. À chaque fois que je rentrais dans une pièce, il était en train de danser. Ah putain, ouais, ouais, mais... c'est pour te remettre les idées en place, c'est pour te remettre les idées. La dernière fois que t'as fait ça, t'as fait briser le tibia, fais gaffe. Une femme et les gars sont métamorphosés. Hein, vous avez vu? Hier, les gars, je vous jure, c'est ça. Hein. Pas que les meufs. Parce qu'une fois, il est monté en live avec un mec de la télé-réalité. Et il s'est mis à danser. Oui, c'est bon, tu m'as expliqué. Il s'est mis à danser d'une façon. Putain. Arrête, Sapine, arrête. Et ouais, c'est ce qu'il a subi hier. Je crois. Ça ah, il est terrorisé, là. Ouais. Ça décoiffe. Ok, bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a des sentiments entre les deux. JP lui parle du regard. Mais oui, la tête de Wam. Les gars, le mariage à Los Angeles, je crois qu'ils prennent vraiment premier degré. Je pense qu'ils vont même pas divorcer après ça. Vas-y. Ouais. Arrête, Sophie. Il pleut des flèches. T'as perdu de la greffe. Normal, là, les cheveux vont tous tomber, les gars. De la greffe et après, ils repoussent. Parce que ma mère m'a dit ce matin. Ah ouais, ta mère elle est turque, elle fait des greffes? Non, mais elle m'a dit ouais, elle a perdu des cheveux. Je lui ai dit non, c'est normal. Mais parce que tu peux lui dire qu'elle arrête de m'inspecter, elle arrête de me surveiller. Quoi, elle a demandé. Écoute, elle arrête de me surveiller. Écoute, pourquoi déjà elle parle de mon physique? C'est mon ex. Tu vois comme c'est malsain un peu? Elle est là, elle m'inspecte, mes cheveux sont. Frérot, dis-lui qu'elle reste dans sa zone, je reste dans ma zone. C'est mon ex, c'est terminé. Dis-lui bien, elle stack. Mais oui. L'amour, ouais. Je vous jure, elle est folle amoureuse de moi. Je sais même plus comment m'en détacher. Si vous avez une idée. Arrête, putain! Elle t'aime encore, Owen, mais j'en doute pas une seule seconde. Mais moi, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. T'es chauve maintenant, mais non, les gars, ça va repousser, propre. Et même chauve, en vrai, ça me va bien. Non? T'en penses quoi, JP? Comme ça? Je suis bien comme ça? Non. C'est mieux avec les cheveux. Oh! Putain. Mais moi, je suis bien comme ça, Koudou, t'aimes bien chauve? Ça pousse un peu. Faut que ça... Non, mais je te demande pas l'état de mes yeux. Je te dis, est-ce que t'aimes bien? Ça me va bien, pas de cheveux, chauve? Ou tu préfères avec des cheveux? Comme ça, ça va. Mais quand j'ai des cheveux, je suis mieux? Les deux, c'est pareil. Ok. Ça te va bien, merci. Il y a un modérateur qui t'a dit arrête, Safine, paye tes modos, Jean pour Malo. T'as un mot à leur dire. T'as un mot à dire au modérateur. Faites bénévole, hein, les gars. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, hein. Dis-lui, c'est pas moi qui est venu vous chercher. C'est pas moi qui est venu, hein, c'est vous. C'est vous qui avez postulé. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'un jour, on peut leur faire un petit cadeau, une petite surprise. Oui, un petit cadeau. Une petite cartouche de clope. En fin d'année, oui. Ouais, en fin d'année, on leur envoie un petit truc. Voilà. On leur envoie une vidéo dédicace d'une coudance de... Voilà, par exemple. What the fuck? Une boîte de chocolat. Ça me saoule. Hein? Une boîte de chocolat. Ouais, un mégot de cigarette. Un mégot de cigarette fumé par JP, ça peut être pas mal. Non. Faut pas être con. Quoi. Une PS5 Pro, oui, et puis quoi encore. Je t'aime en mode Fanou. Comment tu vas, Fanou? Salut, Fanou. Fanou la folle. Une pipe. Ah, le modérateur il demande une pipe. Non, quand même pas. Tu t'as dit ça avec le sourire. Ouais, non, quand même pas. Pas une pipe, point du tout. T'es sûr? Je vous aime bien, mais. Ah. On n'a pas encore passé le tab de la pipe. Ouais, l'étape non, de la, pas de la pipe. Ok. Dommage, ça, ok. Il y a même des modos que je connais même pas. Quoi. Arrête, Safine. Safine, je trouve que tu manques de shoot. Putain! Oh, à l'épaule! Là, coudou!
Koudou, reviens. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, je manque de shoot. C'est bizarre, normalement, je manque pas de shoot. Oh putain. L'écran. J'ai failli casser l'écran. L'écran. S'il te plaît, l'écran. Eh. Ah, bon, voilà. Voilà. Je te pute, toute ta merde, bon. Voilà. J'ai retrouvé mon shoot. Je te pute, bon. Eh, frérot, j'ai essayé de retrouver mon shoot. Tu vas te faire enculer. Frérot, j'ai essayé juste de retrouver mon shoot. Nique ta mère. Bah, frérot, j'ai essayé de retrouver mon shoot. Calme-toi, le gros pervers, là. Bah, frérot, c'est le but de retrouver son shoot. C'est de tirer en pleine gueule, frérot. À un moment donné... Sois content pour moi, en fait. Sois content pour moi. Dis au moins, ouais, mon pote, il a retrouvé son shoot. Mec, il est jamais content. Ta gueule. On dirait que t'as pris un obus dans la tête. T'as pris un ballon. Oh, mais petit pas, petit pas, connard. Petit pas, connard. Petit pas, connard. Écoute, t'as pas eu de chance, c'est comme ça, c'est tombé sur toi. J'ai testé sur JP au début, ça a pas marché. Assieds-toi, allez, ça y est, asseyez-vous là. On en était où dans tout ça? Bon, mon pote, à plus. Ouais, à toutes. Ouais, à toutes. Oh, je te jure, j'ai envie de vomir. Pourquoi t'as vu quoi? Je sais pas, en ce moment, je suis un peu mal, tu sais, je suis pas bien ces derniers jours. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est pas... C'est du horreur de ça. Ah ouais, ouais. Putain. Comment ça m'a cassé? Venez, on lui tend un piège. Tout le monde est regarder parce que ça me touche. C'était rapide. Attends, je t'ai prévenu de garder la garde. Pourquoi tu gardes pas la garde? Pourquoi, frérot? Je t'ai dit de garder la garde. Regarde. Là, je voulais tirer sur sa fille. Dès qu'il sort, mon shoot. Mauvais shoot. Frère. Faut que je travaille mon shoot. Faut que je travaille mon shoot. Oh! Super, la gueule. Oh! Elles sont là. Non, elles sont là. Elles sont là. J'arrive même pas à les voir. Elles sont là. Ça fait quoi? Voilà, j'ai mal au ventre. Oh là là, oh c'est parti, mais à une vitesse. On peut pas mettre ça au ralenti. Allez, tire. Oh, La garde. Le premier truc que je t'ai appris, la garde. Là, regarde, une seconde d'inattention. Baisse pas la garde, gros. Faut vérifier les angles morts. Attends, y a pas le... Là, voilà. Là, elles sont où les lunettes, s'il vous plaît? Elles sont là. Elles sont là. Ouais. C'est ça? Ça va tellement vite. Moi, je veux le moment, là. J'ai envie de rigoler.
envie de rigoler. Il fait le mec qui reste sérieux. Arrête de mentir. Oui, j'ai vu. J'ai vu ton visage. What the fuck, ça te décoiffe. Oh, rien, mais pour le coup, ça te décoiffe. Hein. Il a envie de rigoler, sa mère. Oh. Oh la vache. Oh la vache. Ça me sort. Coutou. Oh, t'en as pris une belle. Putain, ma gueule. Waouh, et les lunettes là, elles partent à peine. Là, c'est le décollage. Est-ce qu'on abuse ou en jeu normal? Non, mais t'es sûr, on abuse. Pistouf. Vas-y, Victoire, on a gagné. Non, frère, j'ai mis ton balai dans la prison. Attends, donne le clip.